Alors, nous sommes en compagnie de Meij Bidot, qui est donc une skieuse. De Meij Bidot, qui est donc une skieuse pro handisport. Je crois que Mélanie vous a préparé un petit portrait. Meij Bidot, vous êtes une fonceuse, une passionnée de vie, une bonne vivante. Je dirais même que votre énergie débordante, sans que ça soit péjoratif, hein, bien sûr, vous donne cette fureur de vivre. Vous êtes la Lucky Luke de la vie. Vous parlez aussi vite que votre ombre et vous êtes prête à dégainer un sourire ou un coup de gueule. Ça vous arrive aussi s'il y a besoin. Vous êtes une belle trentenaire brune qui ne cache rien. Vous êtes athlète en équipe de France, en ski, en handiski. À l'âge de 16 ans, un virage de vie en épingle à nourrice vous a fait que vous perdiez l'usage de vos jambes. Mais pas de la vie. Attention, ça non, vous avez continué tout, le ski en handiski, vous apprenez à Combloux avec Doumé de Loisirs Acier Évasion, vous continuez vos études entre les Alpes de Haute-Provence, Lyon et puis Paris, vous avez besoin de vous couper un petit peu de la montagne, de la glisse, des guides, de votre ADN en quelque sorte. Vous allez vous reconstruire pour pouvoir revenir ici peut-être plus forte et plus prête. Ce qui met le dernier caillou à votre édifice pour être prête, c'est justement la venue de votre premier enfant. Impossible de le faire pousser à la ville, cet enfant. Alors, vous vous posez la question de savoir où est-ce que vous avez envie qu'il grandisse. Tout fait sens. Valorcine s'impose à vous. Vous êtes prête et c'est votre grand retour en 2012. Et ce retour, c'est comme un pied de nez à la vie quand même, parce que vous le faites en plein centre, en plein dans l'épicentre que vous aviez quitté. Alors ça s'appelle pas être prête. Non, je suis désolée, ça s'appelle embrasser la vie. Vous commencez un travail de secrétaire à la maison des guides de Valorcine et vous y êtes toujours aujourd'hui. Et vous élevez vos deux enfants seuls, Adem et Tess. Et puis les choses auraient pu être comme ça, juste ça. Non, parce que je vous ai pas tout dit sur Meij Bidot. Non, ça s'arrête. Elle s'arrête pas là. Un jour, son amie Sonia, qui est graffeuse, celle qui entre autres a fait le Gaston Rébuffa à l'entrée d'Argentière, elle vous a dit qu'elle faisait un concours de dessin pour le derby de la Meij. Ben, Meij, comme vous, bon, le derby à 25 ans, paf, vous aussi, vous avez 25 ans. Et votre amie, elle gagne le concours graphique et puis elle vous entraîne avec vous. Comme le symbole d'une évidence. Et cette évidence s'offre à vous. C'est le grand déclic. Et c'est là que vous avez dit, non mais c'est ça que je veux faire. Et même si votre rime a toujours été « laissez-moi faire, je me débrouille », il y a tout votre entourage qui vous aide. Peut-être qu'ils vous courent derrière aussi, ça on ne sait pas trop exactement comment ça se passe. En tout cas, ils sont là pour vous aider à continuer à rêver à l'impossible, à façonner votre vie. Et c'est aussi comme ça que naît l'association Sit and Ride, afin de vous permettre de vivre votre passion, votre ski en compétition. Alors vous dites jamais « je », vous dites tout le temps « on ». Parce que vous avez une super grande équipe, comme on dit. Et là, on est d'accord que c'est pas la taille qui compte, non, c'est la taille du cœur qui compte. Et vous êtes entouré de votre grande équipe de cœur, et c'est une aventure familiale, une vraie équipe, une filiale. Ils vous aident en tout, dans la logistique avec vos enfants, dans vos déplacements, l'organisation. Puis aussi cette réalité financière, là. Récolter des fonds pour financer la saison. Parce que le ski... Le ski féminin en plus, mais alors le handiski féminin, c'est un peu la dernière roue du carrosse de l'aide financière et des sponsors. Bah ouais, mais il aurait fallu être un mec. Ou alors choisir un autre sport, je sais pas. Hein. Pourtant, vous n'êtes pas mauvaise, hein. Loin de là. En équipe de France, votre classement mondial, c'est dixième, je vais y arriver, en slalom, neuvième en géant et neuvième en super G. Et avec Cédric Amafroy et Pierre Créton, vous avez gagné, avec le club des sports de Chamonix, le classement général de la Coupe de France. Alors bon, quand même, en tout cas, on vous souhaite une belle saison à venir. Et on est très, très heureuse aujourd'hui de vous accueillir, Meij Bidot. Merci. C'était bonjour. Ça m'émeut. Non, bon, écoutez. Alors, est-ce que vous avez pu finir votre saison 19-20 là, avec l'histoire du Covid ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a eu la chance de pouvoir faire nos championnats de France, ce qui n'a pas été le cas là, dans toutes les catégories valides et tout. Nous, on a pu faire notre belle fête le week-end avant du confinement. Donc voilà, c'était top, toujours l'occasion un peu de retrouver tout le monde. Donc voilà, et puis après, non, c'est sûr que ça a été écourté, tous les gros événements de fin de saison quand même. Mais bon, comme tout le monde, hein, on fait avec.
Sur les réseaux sociaux, j'ai vu que vous avez continué à vous entraîner pendant le confinement, mais vous avez fait un entraînement un peu spécial, j'en sais rien, je juge pas du tout, hein, mais je vous ai pas vu sur ski. Bah non, du coup on n'avait pas trop le choix, c'était un peu compliqué, on était limité en distance, c'est pareil. Bon après voilà, à Valorcine on a la chance d'avoir vraiment un environnement qui fait que même autour d'un kilomètre, on arrive toujours quand même à trouver de quoi s'entraîner, quand même. Et pas de ski alors cet été ? Non, alors c'est ce que je disais, ça a été un peu une prise de décision, de voir, on sait pas comment ça va évoluer. Donc voilà, je voulais faire un peu aussi un été, à profiter un peu plus des enfants, des amis ici, du mois de juillet, être un peu moins speed aussi, ouais. Se poser, c'était peut-être un peu le ça résultat fait du, bien du aussi, confinement, ouais. C'est bien, ouais, ouais. Apprendre à se poser. Mais bon voilà, ouais, là, j'ai réalisé que ça me manquait quand même, donc on va voir, au mois d'août peut-être en Suisse, et puis sinon cet automne on rattaquera en septembre. Alors, est-ce que vous faites toujours partie de l'équipe de Chamonix? Parce oui, que moi, je sport de Chamonix. J'ai jamais vu votre tête là à l'entrée là avec tous les non, autres. Non, alors mais si quand même, ils me soutiennent. Il y a pas ma tête, mais ça m'arrange à vrai dire. Non, ils me soutiennent. Ils sont là derrière nous, comme avec le petit jeune Pierre Créton. Ils nous soutiennent financièrement et sur les forfaits surtout. Donc c'est cool, c'est bien. D'accord. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait votre tête, en fait. Ça, je trouve ça pas très normal, mais bon. Ouais. Vous m'avez dit qu'il y avait des gens qui faisaient, qui étaient valides, par exemple, qui faisaient très très bien du ski assis, comme votre frangin. Tout à fait. Oui, ouais. Il y en a plein, comme le loisir assis évasion. Ils en font aussi, tout à fait. Et alors, les sensations, vous qui avez fait des deux formes. Alors, j'aime bien justement, montrer le truc dans le sens où c'est vraiment un engin de glisse, je pense, à part entière, qui mérite d'être développé un peu aussi, que tout le monde peut essayer, C'est pour ça qu'on met en place, d'ailleurs, cet événement un peu de fin de saison qu'on a dû annuler. Mais dans le but de développer et puis de faire essayer et de montrer, Après, les sensations, je pense que globalement, ça reste du ski, ça reste de la glisse, donc je pense que c'est pour ça que, ouais. C'est un peu les mêmes sensations du coup. Mais alors, vous pouvez me parler un tout petit peu de l'événement là qui avait été annulé, parce que c'est intéressant quand même pour la fin de saison prochaine. Ouais, tout à fait. Alors, on fait ça chaque année depuis 2013, donc 2014. Et on organise une journée. Donc, on essaye de faire, on fait un slalom bank à La Poya, grâce au domaine de La Poya qui nous permet de faire ça aussi, parce que c'est de l'engagement qu'ils prennent, des responsabilités. Et le but, c'est de mettre tous les engins de glisse dedans. Donc, moi, je fais venir souvent aussi des riders Andy qui peuvent aller dedans, Et en même temps, on propose l'après-midi, on met à disposition les fauteuils ou des initiations par les moniteurs, ou même si les gens, ils veulent essayer tout simplement, avec le barbecue, la musique, et puis le soir, des petits concerts pour se retrouver au chalet Ski Rock à Valorcine. Le chalet qui est tenu par votre papa. Tout à fait, c'est ça. Le président de Sit and Ride. C'est ça. Et du coup, vous voulez me parler un petit peu plus de l'association Sit and Ride ? Ouais, donc on a créé ça en 2012-2013, tout à fait, c'est ça, quand il a fallu voir, allez, on repart, on fait des compétitions, mais ça va coûter, c'est quand même des gros budgets, des gros déplacements, l'hôtel, l'encadrement, les inscriptions aux courses. Et donc, on a eu l'idée de monter cette association pour financer, que ce soit pas non plus à perte. Tout le temps. Ouais. D'ailleurs, vous faites beaucoup d'événements avec l'association. Là, en ce moment, c'est un petit peu... On va suivre de près l'association parce que peut-être qu'il y aura un événement fin août, mais on ne sait pas encore. Donc, mais on gardera... on garde ça, voilà. On écoute un petit peu de musique. On se retrouve juste après. I can't explain. Oh no. Hey.
go instead of holding on. But in the eye of my mind, a mystery is born. No use in looking further, you know it isn't there. And you can stare all you want, the answers won't appear. Try to find it, but I lose myself. I lose myself in you. I say I lose myself in you. Yes, I lose myself in you. Yeah, I lose myself in you. I lose myself in you. Flashback de Fat Freddy's Drop avec mon super accent anglais. Et vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5. Merci à Maëva de nous suivre. Coucou Maëva. Coucou Maëva. Et on est aussi toujours en compagnie de Mej Bido. Alors Mélanie, encore quelques questions, je crois. Ouais, alors Mej Bido qui fait partie de l'équipe de France de handiski. C'est ça. Ouais. Alors,
J'avais une autre question par rapport à la compétition. Parce que vous pensez que vous allez en faire encore longtemps de la compétition? Comment ça se passe? Eh ben, c'est vrai que là, avec le Covid, ça m'a encore plus posé la question. Je sais pas, on verra. La prochaine saison est super floue. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Nous, elles viennent de très loin, mes concurrentes. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que je trouvais que c'était hyper intéressant, en fait. Vous m'aviez dit en off, elles viennent un peu de partout dans le monde. Et elles viennent, là, avec le fait qu'il y a les Jeux à Pékin, il y a pas mal de Chinoises qui s'y mettent, des Japonaises, des Américaines. Puis après, on a vite fait le tour, on n'est pas beaucoup. mais du coup, c'est vrai que je pense que pour l'hiver prochain, les compétitions, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Je reste encore dans l'expectative, voilà, et le flou. C'est ça. Et je crois que vous vous diversifiez aussi un petit peu dans vos passions. Vous faites pas que tout à fait. Que du ski. Vous faites aussi du parapente. Et ben l'année dernière, on a fait ça avec Hugo Hérichet et l'association Sit and Ride aussi. On a fait un stage d'initiation parapente Andy, ouvert à d'autres participants. Qu'on a passé une semaine, comme un stage d'initiation de base. À la fin, on avait fait nos 6 vols solo. Donc voilà, c'est vrai que du coup, ça a créé, je pense, ça va être une belle nouvelle passion. Hein. Et ça, vous continuez, vous avez volé là récemment ou pas? Alors là, j'ai pas forcément eu le temps de revoler. Et puis vu qu'entre le déconfinement et la reprise de la saison, mes petits moniteurs bossent beaucoup. Donc ils n'ont pas le temps de m'emmener. Mais les copains, m'emmener, mais je vais faire un peu de parapente là. Mais non, je sais qu'en plus, on a le club des gratte-ciels à Chamonix qui nous soutient, qui nous prête le fauteuil. Et puis dès qu'il y aura le temps, il y aura le temps en septembre. Je sais qu'on sera plus tranquille, on sera plus que nous. Il faut un fauteuil différent du coup? C'est un fauteuil spécial, tout à fait. On a la chance d'en avoir deux dans la vallée, un avec la Ligue. Loisirs Assis Évasion en ont un aussi. D'ailleurs, ça fait trois. Et le club des gratte-ciels qui nous le prête. Ils nous le prêtaient même tout l'été là, si on voulait. Donc c'était vraiment super cool de leur part. Il est quoi, un peu plus suspendu pour l'atterrissage? Ça ressemble un peu à un genre de FTT. Je ne sais pas si vous voyez non plus ce que c'est. Pas ce c'est que des c'est vélos FTT, tout terrain, tout à fait. Ouais. Ah oui, les vélos assis par exemple? Oui, c'est ça. D'accord. Alors moi, je fais du vélo sur la route là pour m'entraîner un peu. Il y en a des tout terrain, donc c'est vraiment comme un vélo de base tout terrain avec des plus de suspension. Et là, le principe du fauteuil de parapente, c'est pareil, c'est d'avoir des roues plus tout terrain, au niveau du déco et de l'atterrissage. Et il y a d'autres passions là qui se dessinent en ce moment ou pas? Ouais, toujours dans le ski forcément, à la base, c'est vrai que j'avais repris aussi un peu le ski alpin. Moi j'ai fait tout le cursus ski alpin que tout petit, tout jeune enfant de Chamonix peut faire avec Charlotte d'ailleurs. On était au ski club ensemble. Enfin, elle était à Charlotte. Lee, oui, tout qu'on à fait. Va recevoir tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. J'étais contente de l'avoir. Ouais. Et derrière, c'était un peu aussi dans l'objectif de reprendre un bon niveau de ski pour pouvoir essayer derrière d'avoir des projets un peu plus variés. On verra encore, rien de concret, mais ça se travaille, ça se prépare. Vous êtes reparti sur le ski parce que je crois que ça, c'est quand même vraiment votre passion. Et vos enfants, vous les avez mis au ski club aussi, je crois. Tout à fait. D'abord à Valorcine, puis après à Argentière. Là, ils sont au club d'Argentière et au club de Sceaux à Chamonix. Ah oui, au club de Sceaux, c'est vrai. Voilà. Et du coup, vous les suivez encore? Ils vous suivent encore? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ils commencent à ne plus trop m'attendre, à vrai dire. Et puis là, il y a surtout la maman qui ressort. Et c'est vrai que quand tu les vois aller à fond, en fait, je crois qu'il y a un moment, il ne faut plus aller avec eux. Sinon, ça devient plus dangereux qu'autre chose, ça fait peur. Ouais. Mais non, on y va, on y va tous ensemble. Je suis investie un peu dans le club d'Argentière aussi, d'ailleurs, en tant que membre et bénévole. Donc, on suit toujours quand même. Et votre endroit pour skier préféré à Cham, c'est quoi? Ou à Argentière ou Valorcine d'ailleurs? C'est un bien grand mot. Je dirais Valorcine de base. Quand on est de Valorcine, c'est ça qu'on aime. Après, non, je skie pas mal au Grand Montais. Et c'est vrai que j'ai pas mal été à la Flégère cet hiver avec Peter de Rabbit on the Roof. Oui. Qui m'a gentiment donné un ski. Donc, du coup, on travaille beaucoup ensemble en ce moment sur. Plus du ski hors-piste, des itinéraires qu'on pourrait faire ensemble. On a été très stoppés par le Covid ensemble justement là-dessus. C'était notre objectif de fin de saison, là, pouvoir se concentrer là-dessus. Mais on s'est recroisés, on est prêts pour l'hiver prochain. On attend que ça. Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Et puis on vous souhaite aussi une excellente saison. Ouais. Et merci, Mélanie. Prenez bien soin de vous et merci d'être venu nous voir. Merci.